Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Nous sommes samedi, c'est le printemps, dernier jour du printemps, et il va être 6h du matin. Tranquille. Voilà, la famille de Saint-Paul est encore en train de récupérer. Et on va vite s'affairer. Et voilà les premiers monstres qui descendent. Et pas à cheval, mais qui descendent dans la cuisine. Ça sent la petite faim, ça, hein, les enfants, les petits jumeaux. Oula, oula! Ouh, par contre, là, vous faites peur quand même. Il est même pas 8 heures que ça se lève déjà. Et Esther a déjà appelé le réparateur ou la réparateuse. Et c'est bien la réparateuse. Mais quel endroit parfait pour discuter, voyons, que dans la salle de bain. Tu bosses aussi aujourd'hui, ma petite? Oh là 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 là, c'est dommage, je vous serais bien emmené à la plage, mais va falloir qu'on bouge rapidement quand même dans le quartier des arts. Ouh, mais ça va être la fête de la musique demain! OMG, ça va casser les oreilles. Peut-être que pendant ce temps-là, toi, mon petit Matisse, tu vas fabriquer des jouets, fabriquer un quadricoptère téléguidé. Ah ouais, non, en fait. Bah écoute, tu vas bidouiller, ce sera déjà pas mal, je pense. Oups, j'ai mis clic, elle va devoir aller se bouger. Bon bah on va avoir les gosses qui vont être complètement à l'arrache, qui vont être livrés à eux-mêmes parce que j'ai mal mis clic et elle va devoir se déplacer pour travailler. C'est pas grave, jusqu'à 17h. Bon bah tant pis, hein, c'est comme ça. Ok, Emma, non. Voilà, la piscine, oui, mais non, tu vas prendre une douche plutôt, hein, parce que toi la. Je sais, l'eau, c'est pour toi, c'est la piscine, la douche, le bain, c'est un peu la même chose, mais en vrai, c'est non. Même pas le temps de dire ouf et de s'occuper un peu des plantes, hein. Il va falloir y aller, ma belle. Le travail t'attend. T'as pas encore une promo, mais pourquoi pas bientôt. Mais tu te fous encore des tronches, des coups dans la tronche, t'es toujours un peu bête, en fait, Matisse. Bon, je sais pas, récupère des trucs sympas, au pire, on ira les acheter. Si t'as besoin de pièces, peut-être que je vais te les acheter, comme ça ce sera mieux. Des pièces d'amélioration. Yes, c'est là qu'on va récupérer des trucs. Donc on va te récupérer 10 pièces de robot. Pièces d'amélioration électronique, on va t'en prendre. Je sais pas si t'en as vraiment besoin. Ah, mais on n'a pas les puces. Je sais pas si ça va fonctionner du coup. On verra bien. Oh, mais quelle horreur! Cette tenue, Esther! C'est pas possible, faudra la foutre au feu. Mais t'es complètement à côté de la pompe. Oh, que c'était moche. Alors, fais voir si maintenant tu peux fabriquer des pièces. Oui! Fabrique, fabrique, fabrique des choses, mon petit. Fabrique. Non, alors, oui, je sais que tu veux jouer à Big Block, mais. Oh là là, et puis en plus, il risque d'avoir encore une bonne note, petit. C'est bien, mon petit Matisse, tu es bien intelligent. Allez, fabrique des choses. Ça pourrait être intéressant. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, Alexander! Qu'est-ce qu'on se marre! Mais pourquoi il y a une plante? Buisson de marguerite? Bah, tu peux l'acheter, s'il te plaît. Elle n'a pas été entretenue, elle est toute pourrie. Voilà ce qui arrive. Bon, il n'a pas eu de promotion. Il doit partager des blagues avec ses abonnés et troller les forums. Ou troller les forums, tu vas déjà faire ça sur ton téléphone. Oui, Matisse a terminé sa création de puce informatique. Ça, c'est cool. Du coup, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Très bien. C'est quelque chose que l'on peut absolument pas vendre. C'est intéressant. Et niveau 3 de la compétence robotique pour Matisse. Yes! Il a aussi terminé son mécanisme. Mais fais-moi voir ça. C'est ce truc-là. Donc du coup, maintenant... Fais voir. Tu peux faire un petit drone. Non, toujours pas. Mais on a une puce informatique, les enfants. Qu'est-ce que t'en as fait? Oh, je pense que je l'ai détruite par erreur. Aïe. Bon, et eh ben c'est pas grave, tu vas me refaire la puce informatique et nous allons du coup, eh bien, faire un drone. Hein, voilà. Non, pendant que les petits, ils discutent entre eux, ils font leurs devoirs, tout ça. Ils sont mignons, ils sont gentils, ils font chier personne. C'est ça l'avantage. Oh, bah Alexander est parti faire du yoga pour se déstresser de son travail, qui le stresse trop, regardez. Oh, je suis mignon. Ah bah non, finalement, il en a eu marre.
Youhou! Esther dans sa super tenue vraiment dégueulasse a ramené 896 simflouzes. Bon, mon petit Mathis, tu vas retourner dans ta chambre faire des petites... du coup, fabriquer des jouets, voilà. Toujours pas! On est à 4 sur 5! Oh, ça suffit. Bon, bah allez, tu vas retourner bidouiller. Il y en a marre, non. On peut jamais rien faire sur cette station. Ok, j'ai Gaspard qui fait le gogol dans la pelouse. Oh, il pleut, c'est trop bien! Puis en même temps, il est méchant. Mais quel sale gosse! Tu es... Franchement, Mathis... non, pardon, Gaspard, ça va pas aller, hein. Tu vas te calmer direct, hein, je te fous, quoi. C'est vrai, comment elle va, ta saloperie d'hamster, là? Enfin, ton saloperie d'hamster. Il va te choper? Est-ce qu'il va te bouffer le nez? Mais c'est pas vrai! Saloperie de bestiole! On devrait l'embrocher, le bouffer au barbecue, tiens. Bon, on va dire que j'insiste, mais tu vas me fabriquer ce putain de drone! Oui, c'est enfin ok! Allez, on avait fait l'autre truc rouge, on va le faire bleu, là, comme ça. Allez, tu vas arrêter de jouer aux Sims! Enfin, moi, je continue, hein, mais toi, tu vas bosser un petit peu. Allez, fais-moi un joli petit drone, mon petit Matisse! Oh, dis Emma, ça suffit, hein. Tes parents, ils s'aiment, ils ont le droit de faire des bisous, hein. Toi, c'est pas toi qui vas dire non quand t'auras l'occasion, hein. Alors, commence pas. Allez, tu vas aux toilettes et tu les laisses tranquilles les épier comme ça, va. Espèce de... mais c'est une saligote, un peu, hein. Wesh, attends! Ah, merde, il s'est fait... Oh! Bichon! On a raté l'occasion de te voir te faire griller la tête. Bon, ok, bah, je vais le laisser faire ce qu'il faut. Il va... Ah oui, il fume, regardez. Il est un peu grillé sur les bords. Ah oh, zut, mon chou. Bon, bah, allez, remets-toi bien. Pourquoi tu lui as crié dessus? Qu'est-ce qu'il a fait? Conversation offensante, mais tu lui as fait quoi? Mais j'ai pas compris. Est-ce que c'est Gaspard qui a fait le saleté ou quoi là? Eh ben oui, mais il est méchant! Oh mais quel sale gosse! Non mais sérieux, moi je rate tout, hein! Il y a trop de monde dans cette maison, ils sont tous dispersés! J'ai raté, évidemment! Et tu peux même pas t'excuser? Bon, bah écoutez, c'est comme ça, hein. C'est un thug, il fait des conneries et il s'excuse pas, tout va bien. Eh mon petit Mathis, tu vas te faire une petite douche. Et après, tire à dormir, on fera le drone demain, t'inquiète. Cette tenue est vraiment dégueulasse, quoi. L'antisexisme. Mais Lionel! Mais t'as cassé la maison! T'es chié! Oh, et qui c'est ça? Et c'est Gigi. Bon, Gigi, elle va aller tout casser le reste, elle. Or, comme d'habitude. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, papa Alexander, tu vas peut-être arrêter de jouer en train de streamer, là, sur Twitch, parce que ça ne va plus. Salut mamie Gigi, comment tu vas? Oh, il a gagné 1200 abonnés. Eh ben. Mais il y a ta copine, il y a ta femme, pardon, excuse-moi, c'est vrai que vous êtes mariée, qui veut te faire des mamours, donc vous allez faire ça, vous allez tirer un petit coup, hein, tranquille dans le lit comme d'habitude. Excuse-nous Gigi, mais on a des trucs à faire. Bon, ok, on est dans la chambre de Gaspard qui va s'offusquer, va dormir. Allez faire ça ailleurs, t'as raison mon petit. Ils vont aller faire ça ailleurs, t'inquiète pas. Pas devant toi, sinon ce serait vraiment très 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 glauque. Bon, on va pas se cacher. Et voilà, ça s'amuse sous les draps. Explosion nucléaire détectée? Mais what? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mais what? Il nous fait quoi le hamster là? Il nous fait des essais nucléaires dans sa... Mais il est fou. Mais oh my god, il est complètement fou. Il va nous foutre le feu à la maison, ce con. J'hallucine. Et voilà, c'est l'été. Et qui dit l'été, dit la fête de la musique. Attention, ça va faire mal aux oreilles. Oh, attention, ça se lève déjà là! OMG! Les gamins, vous êtes déjà en train de... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ta vie est aussi pourrie, ma petite Emma? Ouais, je sais pas ce qu'elle a. Avec tes beaux yeux de chat, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, comme d'habitude, c'est Versailles ici, hein, voilà. C'est la défaite de la musique. Wouhou! Les
confettis! Ouais, c'est trop bien! Qu'est-ce qu'on est content! Ouais, super, voilà, c'était de la musique. Oh, bah, il y en a un qui va mieux, il fait même ses devoirs alors qu'il est à peine sorti du lit. Enfin. Mais c'est toi qui fais tes devoirs, mon gars, c'est moi, je t'ai rien demandé, hein. Regardez comme il est joli, son pyjama. Oh, choupi. Tu vas mieux, Mathis? Ça a l'air d'être beaucoup mieux, c'est très bien. Tu vas faire le plein de discutage avec tes frères et sœurs, pourquoi pas. Et puis après, tu retourneras bosser. Sachant que c'est la fête de la musique, donc faut aussi faire de la musique, hein, on va dire ça comme ça. Grosse réunion d'enfants de Saint-Paul, hein, c'est super. Bah, je vais les faire discuter. Voilà, discuter de fractions, faire tourner la crécelle, plaisanter sur les bananes, pourquoi pas, quoi. C'est vrai que c'est marrant les bananes, quand même, non, les enfants? Hein? Les bananes, quoi. Hey, qu'est-ce que tu m'as fait, toi? Qu'est-ce que c'est que ces plaques? Bah, dis donc! Démangeaison! Non, mais dis, hey, t'as resté le cul posé sur ta chaise et toi, tu chopes des démangeaisons. Oh! Allez, la cacophonie va commencer! Ouais. Et voilà, on est presque au complet. Do, ré, mi, fa, sol! Vas-y, chante, Emma, chante. Chante, Emma, de tout ton soul. Oh là là! Oh, ça faisait mal aux oreilles, ça. Eh ouais, bah, c'est comme ça. Tout le monde ne veut pas être artiste, hein. C'est la vie. Et t'es parti faire quoi, toi? C'est qui, ce monsieur? Pourquoi tu lui parles? Esther? Oh, puis en plus, il pète, ce gros dégueulasse. Mais rentre chez toi! Mais qu'est-ce que t'as fait? Intimité envahie. Ouais, non, mais je sais pas ce que t'as fait. Mais rentre à la maison. Hein, ce monsieur, on le connaît pas. Allez! Toi aussi, tu vas te mettre à chanter. Le carnage! Bon, après, vous allez pas trop l'entendre, mais c'est moi qui vais plus souffrir que vous, mais bon. Oh là là, mon Dieu, il a vraiment une voix horrible. Quelle horreur. Laura qui répond des ragots juste sur Matisse. Oh la biatch. Un petit concert rien que pour vous. Merci, bravo les deux Saint-Paul. La chorale de Saint-Paul vous présente son concert d'été. C'est complètement creepy quand il bouge pas. Voilà, c'est mieux. Voilà, il y en a qui font des effets dans la voix et tout, attention, hein. Mais qui sont mignons! C'est immonde! Est-ce que je m'amuse? Oui! Le petit selfie qui va bien, Matisse. Bon, allez! Hein? On va arrêter les horreurs. Toi, tu vas aller te prendre une douche et aller aux toilettes. Oh, mon Dieu, ça commence vraiment à me casser les oreilles par contre. Toi, eh ben écoute, t'avais vraiment envie de faire tes devoirs, tu les as plus, c'est pas grave, tu vas appuyer pour faire parler. Il y en a une des deux filles qui fait. C'est Emma? C'est Emma qui chante de ouf. Écoutez un petit peu.
Bah là, elle chante plus bien, mais... Vas-y, Emma. Parce que peut-être qu'Emma, on va la faire devenir chanteuse. Elle ira peut-être à Grain de Star, là, ou Pop Star, ou je sais plus quoi, là. The Voice. Ah oui, maintenant c'est The Voice. Ouais, bah, c'est pas mieux. Bon, allez, vous allez vaquer à vos occupations, les gosses. Voilà, voilà, vous allez faire votre vie, quoi. Tiens, il faut aussi inviter des gens pour la fête de la musique. Donc, on a invité... Oh, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est toute tristoune? C'est la fille de Laura. Oh, elle est sacrément maigre, hein, mais... C'est Alexandra, voilà, qui a bien grandi, qui est devenue une belle jeune fille. Et elle est sacrément mignonne. Et voilà, Eva aussi qui arrive. Ça fait du monde sur le perron. Je l'ai vu passer. Où elle est? Je l'ai vu passer. Elle est là, regardez, c'est Laura. Et elle a un sacré bitou, ça se voit. Oh, punaise, elle va m'en faire combien, là? Dis, t'attends des triplés ou des quadruplés, là? Oh, mais Matisse! Mon bichou! Ça va pas mieux, toi. Allez, va t'occuper de toi. En plus, je t'ai même pas fait bouffer la robotique à la place. Oh bah lui non plus, ça va plus. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont coronavirus ou quoi? Évidemment que non, mais bon. Allez, tu vas prendre une douche, tu vas aller aux toilettes. Voilà, voilà. Tout va bien. Allez, Esther, dis-nous combien il y en a là-dedans. Dans ce gros ballon. Ah là là. Sacré Laura, quoi. Bon, écoute, t'as rien à lui dire? Tu vas faire une accolade gênante plutôt à ta sœur, parce que bon, on va pas lui toucher 15 000 fois le gosse, quoi. Boire un petit coup après avoir braillé une partie de l'après-midi, ça fait du bien, Esther. Et puis en plus, elle discute avec sa sœur. Non, tu vas faire un toast! Oh, un toast? Non! Tu vas réussir aussi facilement à faire un toast, Shirley. Mais mon Dieu, mais c'est parfait. Bon, ça pue encore pour madame, tout va bien. Bah tiens, on va t'en rajouter une couche. Truc dégueulasse. Ah oui, c'est le verre magique qui apparaît comme ça. Mais toi, mon petit... Ah, tu t'es encore pris un coup de jus? Ah oui, quand même. Oh, bichette. Allez, va chanter sous la douche, tiens. Ça te fera du bien, peut-être. Non, sous la douche. Matisse. Oh, la tronche. Oh, le pauvre. Oh non, c'est une horreur. Mais après, t'iras dormir, promis. Je te laisse tranquille. Ce robot, il va pas être facile à faire, à mon avis, hein. Oh, pendant que les gosses vont tranquillement tous se coucher. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Bon, Esther, elle fait la vaisselle. Oh, reviens, toi. T'es même pas fatigué. Alexander, qu'est-ce que ça veut dire? Viens boire un coup aussi avec... Oh, bah attends. Oh, 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 Daichi est sortie. Avec ta femme. Vous allez jeter des spaghettis. Oui, oui. On va jeter des spaghettis, hein, c'est bien, c'est pas du tout du gâchis de jeter des spaghettis, tout va bien. Allez, wouhou, exprimer bizarrement son affection. Tu vas allumer la journée, vous allez faire des petits bisouilles, raconter des ragales. Et puis faire un gros smouac pendant que les enfants sont au lit. Elijah a décidé de partir, tandis que Daichi... Et devient mélancolique à s'asseoir sur son ancien lit d'or. Oui, quand j'étais jeune et amoureux de Gigi, je dormais là. Mais elle n'est plus là et moi non plus. Bon, allez les amoureux. Vous allez me refaire un petit crac-crac, hein, pour la fin d'épisode, évidemment. Hein, comme d'habitude, hein, nous, on est comme ça. Hein, on est des ouf. Hein. Et hop là. Oh, allez, salut Eva. À bientôt, ma belle. Et les amoureux, ils vont aller faire un petit crac-crac, évidemment. Et puis moi, comme d'habitude, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que, eh bien, vous reviendrez la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que ce sera l'anniversaire d'Eva, d'Emma, excusez-moi. Il y a trop de Eva, Emma, ça se ressemble beaucoup. Et elle deviendra une adolescente. Moi, en attendant, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description. À liker, à commenter cet épisode, à partager aussi ma chaîne et à aller regarder quelques petites pubs sur YouTube. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut !